Bonjour les frères et sœurs, c'est comment? H-Poupi, un puissant bouteur, ou Yahoo Boy, arrêté par le FBI. Jean, lui, il est arrêté par le FBI, c'est-à-dire l'État aux États-Unis. Ah, apparemment c'est un Nigérien. En Côte d'Ivoire, on l'appelle un bouteur. Au Nigeria, on l'appelle un Yahoo Boys. Donc lui, c'est un gars qui fait des arnaques. L'arnaque. Arnaquer les innocents. Arnaquer les grandes entreprises. Apparemment, c'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et en plus, on nous dit que il dénonce un policier nigérien. Et son vrai nom, c'est Ramos Abba. Ramos Abbas. Ramos Abbas. On dit, après avoir été arrêté par les autorités américaines, pour avoir notamment blanchi de l'argent. Il a seulement 37 ans. Donc, c'est un jeune de moins de 40 ans. Et il vivait de ça. Et en plus, ce qui me fait même rire et qui fait que je fais cette vidéo, c'est que il était aussi un influenceur. Il était parmi nous. Il influençait les gens. Mais comment? Mais comment? Je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de vous de dire quoi que ce soit. Les images ici parlent d'elles-mêmes. Regardez, regardez vous-même. Mettez-vous-vous. Mettez-vous-vous. Seigneur. Qui n'aimerait pas vivre cette vie-là? Cette vie-là où on a tout ça, tout ce qu'on souhaite avoir. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Vraiment, il y a un prix à toute chose. On dit tout le monde a un prix. Avez-vous un prix, les frères et sœurs? Avez-vous un prix? Il fait ses histoires d'anagou, il sait pas quoi. Et lui, il ne se cache pas. Hein. Il vient encore sur les réseaux sociaux pour nous montrer ce qu'il a. Pour nous montrer sa vie. Comment il a une belle vie. Comment il a de belles voitures. Comment il a une belle femme. Elle a du beau braba. Comment elle est claire, peut-être qu'elle est blanche. Comment elle est comme ceci? Comment elle est comme cela? Attends, c'est la foutaise ou quoi? Et c'est ce que la plupart des jeunes font. Il faut du boutage. Ils font des trucs qui n'ont aucun sens. Et eux aussi, ils veulent venir se montrer. C'est ce qu'on voit de les maquis. En train de faire du boucan. Beaucoup de bruit. Tu n'as même pas travaillé la chair de ton fond pour voir ton tiers. Et puis tu viens faire beaucoup de bruit devant nous encore pour nous déranger. Alors que nous, on a travaillé dur pour avoir notre argent. On a dû économiser pendant des mois. Toi, tu viens nous énerver. Et ça, ce n'est pas le problème. Hein. Il continue. Il faut le boucan. Et vous êtes là, vous apprenez que leurs parents vivent dans la pauvreté. Mais eux, ils sont là en ville ici, en train de faire le bocan, la Java. Souvent, vous vous dites, mais ah, toi, ta maman vend des gâteaux au quartier. Elle se bat pour s'en sortir. Comment se fait-il que tu ne t'arrives pas à aider la personne, à ta propre maman, tes propres parents, tes propres frères? Même dans ton village, tu n'as pas conçu d'usine. Même dans ton quartier, n'a rien conçu pour les jeunes.
Tu n'as rien réalisé pour le jeu. Mais tu veux nous dire que tu es un influenceur. Tu nous montres des belles voitures. Tu nous montres des belles maisons. Mais ce sont des choses qui finissent toujours mal. Mais ce sont des choses qui finissent toujours mal. Il y a un gars qui a dit, ah, vous avez attrapé Raj Poupi, non? D'accord, quand vous l'avez attrapé là, nous vous informons que les gars comme lui, il y en a des millions. Il y en a au moins 1 million au Nigeria. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes gens ont été séduits par sa manière de faire les choses, par sa manière de se faire de l'argent rapide. Et ces gens-là veulent faire exactement comme lui, c'est-à-dire arnaquer les gens. Et faire des trucs vraiment qui n'ont aucun sens, de mauvaises choses, comme ce qu'on nous dit dans Somme 1. Et après, ils vont venir se faroter devant nous. Et c'est ça la chose la plus grave. C'est l'erreur de la plupart d'entre eux. Leur erreur, là. C'est après, là. C'est devenu regarder pour voir le bruit. Se prendre en photo, balancer ça sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que les réseaux sociaux aujourd'hui, là, ils appartiennent aux policiers. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas que les réseaux sociaux, ils appartiennent au FBI. Vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé qu'il y a une relation étroite entre les autorités et les réseaux sociaux. C'est comme si tu te trouvais dans la chambre du commandant supérieur de l'armée. Et puis, tu veux la narguer. Et puis, tu veux la narguer. Lui est le commandant supérieur de l'armée. Et toi, tu veux la narguer. Tu le vois ton pigeon. Et eux, ils sont là pour surveiller. Ces policiers-là sont là sur les réseaux sociaux pour surveiller. Ces policiers-là sont vos abonnés, vous les brouteurs qui vous prenez en photo matin, midi et soir postés sur les réseaux sociaux. Je vous dis en même temps, parmi vos abonnés, là, les policiers, eux vous observent. Ils font leur job. Hein. Vous faites votre travail, eux ils font leur job. Ils font leur job. Ouais. Non, c'est vraiment triste. Et quand on entend parler de sorcellerie de cette affaire, ça nous amène à écouter ce que nous avons su. Il y a un homme qui nous explique des choses vraiment graves sur cette affaire. Comme les Yahoo Boys sont des ritualistes. Comment beaucoup font des rituels, comment ils finissent mal. Le gars parle en anglais, j'essaierai de faire la traduction pour vous. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. La plupart des gens qui suivent ce chemin-là veulent exposer leur vie sur les réseaux sociaux. Alors que c'est là le problème. Si vous exposez votre vie, on va vous attraper. C'est-à-dire que vous allez vivre en prison sans faire du bruit sur les réseaux sociaux. Alors que ça ne vous arrange pas. Ça veut dire que cet argent, ça ne vous libère pas. Et les esprits des gens que vous avez naqués sont de pleurer là, qui crient même devant Dieu chaque jour. La colère de Dieu dit ça. La colère de Dieu dit ça. Écoutons le gars, il parle en anglais, il essaie de faire attention, si vous comprenez pour mes deux aussi. This message will be split into two. Ce message va être divisé en deux. The first side is for Yahoo Boys. Et la première partie c'est pour les Yahoo Boys. And the second side is for the hush puppy, how he's a lost soul. Et le deuxième message c'est pour Hush Puppy. Hush Puppy. C'est-à-dire le gars que vous voyez déjà à l'écran. Let me just pick that one first. So it becomes more important. That is for Yahoo Boys. And the second side is for the hush puppy, how he's a lost soul. Il y a des gens, le deuxième message c'est pour Hush Puppy quoi. Comment il a perdu son âme. Let me just pick that one first. So it becomes more important. When we talk about lost soul,
A lot of people, especially Africans, when you try to educate them and let them know, listen, life is deeper than just your material things. Life is deeper, just more than having that 2021 Bentley. Some we think, it's because you don't have the money. That's why you're giving us this advice. Who your advice help? Who your talk help? Who will knowledge help? I beg now money they talk. Now we the rain. Whatever we want do, gushy head to toe, feeding beds, feeding pants, all these things not matter. A lot of people don't get it. When we are sharing this knowledge with you, we are not trying to tell you material things is completely bad. What we are trying to share with you is there is a difference between buying 2021 Rolls Royce because you are a king and you deserve to be transported around with the best, and you buying 2021 Rolls Royce just because you want to show that you can buy it. These are two different things. Il dit que les gens éduquent les jeunes comme du genre quand tant que tu n'as pas une Rolls Royce, la voiture que vous voyez à l'écran là, tant que tu n'as pas la voiture qui est là-bas là, les minibus, ces voitures là, c'est que tu n'es pas l'amour, tu n'es pas un dieu. Donc les gens sont en train de vivre comme ça. Quel genre de mentalité? These are two different energy. And not until you start understanding these differences, you will always be a slave of your desires. You will always be a slave of your own wishes. Et ça fait des gens des esclaves de leurs désirs, des esclaves de leurs rêves, de ce qu'ils souhaitent avoir, de ce qu'ils veulent. And that we take life out from you. Et c'est ce qui même va même ce que vous risquez même de voir votre vie partir. Focus all your thinking on that materiality, because if you check the life of Hush Puppy, is already dead long ago. But you will not know, or let me rather say, you will not agree. You will not agree because you will say, ah, how can you say he's dead? He have this, he have that, he have this. No, those things you see that they have is what they use to make you believe that they are alive. But if you don't know, you don't know. So always know that life is deeper than those so-called desires. I want this, I want that. Life is deeper. How much love you carry in your heart, how much kindness you carry in your heart, with all those hundreds of millions of dollars Hush Puppy scam from people around the world, how many people did he employ in his own father's land? Il dit que les voitures que vous voyez là, toutes ces choses que vous voyez là, ce sont des choses que ces gens-là ont pour essayer de nous montrer que ils vivent. Mais en réalité, est-ce qu'ils ont l'amour dans leur cœur? Est-ce qu'ils ont l'amour dans leur cœur? L'amour. Combien de sociétés ou bien d'usines ces gens ont construit pour aider leur communauté? Combien? Even hate his own land because he believed he was born poor. And now that he starts making money or getting money from wherever source he gets it from, now he believes he has to use the best in life. And that is a soulless, that is example of a soulless person. And for the Yahoo Yahoo boys, I know there is a philosophy behind Yahoo Yahoo. I know this, we must be honest with ourselves. There is a philosophy behind Yahoo Yahoo. I don't agree with that philosophy because I know better now. And the philosophy is, these people came to our land to steal everything. So now let's try to hack it. Let's try to do this. Let's try to do that so we can also get something back. That is a lie. You are lying to yourself. You still don't understand the mess you are into. You still don't understand.
No amount of money you can ever disarm or job from these people that can ever be enough comparing to what they have done to you. If all the Yahoo Yahoo boys in Africa hammer, it will not be enough comparing to what share we take from you in 1 month. You are playing. You are wasting time. That's why nothing is changing. So what you are not doing is you are not creating image that they want you to create. You are not playing the scripts that they want you to play so that they will still be in that project, with that position of a victim, while you will not become that criminal who want to steal from them. Meanwhile, the reality, now them be the real Yahoo Yahoo. Now them be the real front star. Now them they really job una. Now them they really collect from una. What una they do now? You just like rat way run into a wardrobe and use fingertip pinch from a bread and run away. You not change anything from the bakery itself. Now then would they print the money? So if you are a Yahoo Yahoo boy and you still work on that philosophy like, let me just take this from them. I'm not here to tell you what to do with your life, but the advice I want to give to you is, if your reasons, your so-called reasons for doing it is to just collect from them, then start using a new strategy. You have to study economics. You have to study the world politics and know the policies that has made you slave. If you can study and penetrate into the system, then you can really change something. Not sitting in one room there in computer all night trying to scam one woman and you collect $200,000 from the woman. Guess what? She will go to her insurance and she will get paid again. You have just paid yourself, and that money not really change anything from you, because why? The energy where they follow her not go even permit her to change something for you. 80% of Yahoo Yahoo boys, they not get future. Wow, 80% des Yahoo Yahoo boys n'ont pas de futur. Il a parlé de Wells Papi, il a dit clairement dit que le gars, tout ce que vous voyez là, les voitures et toutes ces choses qui, ce sont les choses qui nous font croire qu'il vit, ou que vous font croire qu'il vit, la belle vie, mais il a envie, sinon en réalité, Il a perdu son âme. Quand il parle maintenant des jeunes gens qui sont en train de croire que être brouteur, être Yahoo Boy, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il dit vraiment, vous n'êtes que en train d'investir dans quelque chose qui ne va même pas vous aider demain. Au lieu de plutôt aller à l'école pour étudier les choses comme la science politique, l'économie, afin de pouvoir vraiment faire évoluer le pays, faire quelque chose, vous n'êtes qu'en train de perdre votre temps. Et 80% des Yahoo Boys, encore des brouteurs, n'ont pas d'avenir. Oui, n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire que le gars ne s'arrête pas à ce qu'il voit là, mais il regarde l'avenir. Il regarde l'avenir, il se dit, waouh. Et regardez le cas de Roche Papi, arrêté par la police. Est-ce que vous en rendez compte? More than 80, but more just say 80. Check him, check the list. What do you have? Yes, now you have the money. What do you do next? You go and buy brand new Benz. Who make the Benz? They made the Benz. Now you have made the money. What do? You go and buy brand new diamond watch. Who made the watch? They made the watch. Now you make money. What do? You fly to Dubai and spend money. Et il parle, il dit, voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter les montres très chères, les voitures, aller acheter les sacs très chers, les Gucci, aller à Dubai maintenant, pour montrer à tout le monde que vous vivez la belle vie, c'est tout. Who own that Dubai? And who are you spending the money to? They own it. Now you make money, what do? You are in Paris, you want to make shopping for your girlfriend. Oh,
Paris, France is sucking also your blood. So automatically what you are doing for them, you are stealing from them to help their money circle around and come back to them. You are their slave. Il dit que tous ces Yahoo Boys, ces contributeurs, en réalité, sont des esclaves. If anybody has never told you, Yahoo Boy, you'll be their slave. Because why? You are not even stealing the money and building factories in your village. How many Yahoo? Il dit que vous ne pouvez même pas prendre cet argent pour construire des usines dans vos villages. Yahoo Boy, don't open factory. Quand il vous pose la question, combien de Yahoo Boy ont ouvert des usines? Check even the so-called horse poppy. How many so horse poppy no get ordinary restaurants? Il dit que horse poppy n'a pas un restaurant. Say okay, this restaurant now my own. I employ people that they work for me. With all hundreds of millions of dollars he stole, lavishing it in Dubai, he could open huge factory in Nigeria. By now, as they arrest him, thousands of people go full street every day. They protest, say, this is our hero, free our hero. But no. Il dit que, avec tous ces millions que Roche Papi a dépensé à Dubaï, là, il pourrait juste prendre ça pour construire une usine dans son pays ou bien dans son village. Les jeunes gens vont travailler, vous aurez du travail. Et les jeunes gens pourront dire, oh, voici, ça c'est notre héros, ça c'est notre héros. Mais rien de tout ça, il n'a rien fait avec. But no, go see that Egyptian hacker with a catch. They sentenced him to death by anger, but you know what that guy did? A 31 years old boy. He hack a bank. It's not a good thing, but I just want to use him to make example. He hack a bank, $450 million. Now this guy pulled from the bank and he share him for everybody accounts. The day where they hang him, he they happy because you know, say what he don't do, people when you share that money for your account forever, they don't they okay. How many people in Nigeria, y'all boys, they help? They to go club, go to buy one drink, 1 million naira. To go club, go to drive Lamborghini, want to show, say you get car, forgetting say na Italy they make your Lambo. And you scam the money, let's say from a German man, you go still come out, they buy Benz. You they help them, they circulate the cash. You are not really doing what the philosophy that you are using to back your criminal acts. Because don't forget, this is a criminal act. Fraud is fraud. Whether you call it Yahoo Yahoo or anything, fraud is fraud. But the philosophy behind it from many of our brothers is they have come to steal from our ancestors. Now we have to get back from them. And now some of them cannot even take from the white man anymore. Your fellow black man have become your target. Go see my phone. They hack my phone on daily basis. The other day, did that one just enter into my PayPal account. He used my PayPal to do shopping of about 400 euro. I see my email, say see money when I spend. I open my say, yeah. Hey, yeah, we tried the IP address now. Now I'm mumu for Lagos. Now they do me this thing. I just laugh. I have to not cancel that paper account. Refresh them. Thank God for my insurance, my bank, can't fix all those things back. But what am I trying to say? You are not really helping. You are creating damages. You are creating damages and giving us bad names. So as a Nigerian now, I will just dress up and go to a meeting in Geneva. I want to discuss business. The moment they ask me, where are you from? I say, Nigeria. Uh-oh. Everybody start to check my document 3 times more. Everybody start to check my presentation 5 times more. They start to run background checking. Why? We not do destroy our image to the world. The world they see us now as scammers. Et il parle, il dit que vraiment, les Yahoo Boys, tous ces gens qui font des trucs pareils, sont en train de détruire l'image des Nigériens aux yeux du monde entier. Even in this our spiritual work where we did, there are so many people that contact me sometimes from Jamaica, America, and different places. They are like, oh, I'm so scared, sir. And because many Nigerian fake babalawo has taken money from me. I'm like, hey, yeah. I'm sorry, I can't help you. Follow your hearts. But at the end, you just see and say, wow, these people, now play, they destroy the image of the good Nigerians.
And we Africans, it's time for we to rise and start standing against what is good and what is bad. There are so many mothers now in Africa. They are proud that their son is Yahoo boy. You don't know the karmic energy that follows you that is stealing money from another person. Et il dit, vous ne savez pas quel genre de neige ou d'esprit vous suit lorsque vous volez l'argent de quelqu'un. A man that breaks your door with a leg and point gun in your head and take your money is better than the man that tricks you to send him your own money because he has just offended your own soul. That man who broke your door just empower you. It just now you not feel defend yourself. Now you not feel protect yourself. Now you lose guard yourself. So him not to get karmic connection with you. But that man will make you trick you, make you believe him, make you he lure you into it. That man carry more load spiritually. Carry more load. That's why you see many Yahoo boys. You say the wrong man. You know me say they go do bad medicine. No, if you they do those work, you don't know how to take the balance, the energy where they follow. On. My guy, two things now you get for future. It's either you quit stop, or something strong will happen to you. That's just the secret. And check all of their life. 80% not get better ending. Vous voyez ça, et il dit, regardez, cet homme qui passe là, c'est un spiritualiste, il dit, regardez, la plupart de ces gens, les robots, les bouteilles, tous ces gens-là, ils n'ont pas, 80% hein, n'ont pas une meilleure fin. Il dit que 80% de ces gens n'ont pas une meilleure fin où ils finissent toujours mal. The few who ever get better ending are those who come wise, they come quit start business or something, and they come pull out from that cycle. You see a boy this year get $1 million. Next year they beg you already for 5,000 naira. You wonder say, ah, I just spend all this money. Not be fault. The energy where they follow the money. Not be energy where you just think say, I don't get time or stay with me. It's deeper. So always know what you are doing. Always know the role you are playing. Always know how you are contributing to your society. Then if you don't want to contribute good things to your society, then please stop destroying the image of a good African, of a good Nigerian who mean well, who are truthful, who are honest. Il dit que si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour la société, pour vous faire voler la société, s'il vous plaît. Ne détruisez pas l'image des gens bien qui travaillent honnêtement, qui se trouvent ici au Nigeria. Vous voyez, c'est comme si cette affaire gâchait un peu le business des honnêtes personnes. En Afrique, et en particulier là où il est, au Nigeria. Ah! Si vous avez bien compris, si vous comprenez bien en clair, c'est sûr que vous avez compris beaucoup de choses. Mais en clair, c'est ça. Il a dit que ce soit Roche Poppy, Bouteur ou encore Yahoo Boys, ils finissent, 80% finissent toujours mal. Ils finissent toujours mal. Ces gens-là ont perdu leurs âmes. Ce sont des gens sans cœur, qui n'ont pas d'amour. Tout ce qui leur permet de vivre, c'est juste ça. Ce que vous voyez juste là devant vous. Des voitures de luxe, la photo sur Instagram, toutes ces choses. Aller faire du shopping avec les filles. Mais, même pour construire une usine, pour employer les jeunes de leur pays, ou encore de la ville, ou bien de leur village, ces gens-là, la plupart, ne le font pas. Ou ne peuvent pas le faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'acheter des montres très chères, des Rolex, des voitures de luxe.
et aller à Dubaï pour faire la belle vie. Mais il a été clair, il dit que les gens à qui vous soutirez de l'argent, leurs esprits ne sont pas du tout contents. Ce sont des problèmes que vous attirez sur vous. Et ces gens-là, 80% des gens ne finissent pas la vie bien. Ils finissent toujours mal. Au dernier nouvel, on nous a dit que Roche Papi était en prison. Toujours en prison. Waouh. C'est l'un des plus grands Yahoo Boy que le Nigeria n'ait jamais connu. Vraiment. Quel stupéfiant destin. Moi, je vous encourage à travailler dur, les frères. Travailler dur, c'est pas facile. Mais la fin, c'est une bonne fin. Et même quand tu travailles dur, que tu arrives à réussir, la satisfaction de ça, la satisfaction de ça, elle est trop grande. Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. C'est à vous de choisir. Et c'est à vous de choisir.